monde, c'est Aliana et bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore. Et si vous n'êtes pas nouveau, merci de continuer à me suivre. Dans cette vidéo, comme je l'ai annoncé sur mon Instagram, si vous ne me suivez pas, il est là. J'ai fait un sondage pour savoir si vous vouliez que je reproduise un réel de Linda Hallberg, soit en réel, soit en YouTube. Ça a été en YouTube, mais il y aura le teaser en réel sur Instagram. Et donc, voici le résultat. Je vous laisse avec la vidéo tout de suite. J'en ai chié, je vais pas vous le cacher. Mais c'était fun. Donc si vous voulez voir comment je réalise ce look, keep watching. C'est parti, on va commencer le maquillage. Alors, dans le réel de Linda Hallberg, il n'y a pas le teint, le fond de teint et tout ça. Donc, je vais faire moi avec les produits que j'ai reçus en plus. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je vais faire un crash test entre le Good Apple Serum Full Coverage et le Good Apple Balm. Mais aujourd'hui, je vais tester, vu que je les ai reçus, donc le Lokit Power Refining Base Réduisante. Base réduisant l'apparence des pores. Et donc l'autre, c'est le fond de teint sérum couvrance totale et c'est en teinte light 021 et je crois que c'est la teinte que j'avais pour le balm qui était pile poil la même. Donc j'espère, vu que la 021 en baume était la taille pile poil. Maintenant qu'on en est là, on va commencer à suivre le tutoriel de Linda Hallberg. Il me faut un petit goupillon. Hop, je vais enlever la poudre. Et dans ses produits pour les sourcils dans le réel, elle utilise le Infinity Brow Sketch and Sculpt. Donc moi c'est en Almost Black vu que j'ai les cheveux noirs. Et le Infinity Power Pro Brow Gel and Mascara, donc en transparent. De toute manière, les produits Linda Hallberg sont faits pour aller absolument partout. Donc c'est parti, je vais prendre mon crayon et crayonner mon sourcil. Donc elle le fait avec des arrachés et pas avec une pommade pour que ça reste très naturel. Je viens fixer avec le mascara transparent. Bon, on va passer aux yeux, c'est ce qui nous intéresse aussi avec les lèvres pour refaire le look bien évidemment. Donc pour commencer, elle utilise son crayon Acela Flash, donc c'est un noir à paillettes qu'elle va venir diffuser avec un pinceau boule. Donc je prends mon crayon Acela noir et je vais venir en mettre au coin interne. Le mien est tout neuf donc forcément il faut le chauffer. Et qu'elle vient tout de suite diffuser avec un pinceau. Alors elle va jusqu'où? Elle va quand même assez haut dans le creux. Bien le mettre au coin extérieur. C'est une sorte de forme halo, j'ai l'impression qu'elle fait. Ça remonte comme ça. Ah, et ensuite, elle fait la même chose au coin interne, au-dessous. Le coin interne. Et les dessous sont noirs aussi. Et ensuite, elle fait le coin externe qu'elle vient diffuser aussi. Voilà, une fois qu'on en a là avec mes magnifiques yeux qui pleurent, mais qui vont être cachés, on prend la Infinity palette, donc c'est celle de base, et on va prendre le noir. De ce que j'ai compris, on va repasser partout. Ok, du coup c'est bien ça. On va partir sur le noir, donc j'ai pris un pinceau souple, mais pas trop, pour bien pacter. Et c'est parti pour mettre partout où on a mis du crayon noir et on va le diffuser. Je
le tout et reconnecter les deux. Trust the process. C'est ce qu'ils disent tout le temps. Un pinceau libre parce que moi je n'ai pas... Enfin un pinceau sans matière parce que moi j'ai pas les techniques de Linda Hallberg. Donc il me faut un peu plus de temps pour dégrader et que ça soit joli. Sans que ça prenne les larmes et sans que ça fasse panda. Pour finir les yeux, on va prendre la teinte Milky Way qu'elle applique aux doigts. Donc on va faire comme elle. Ce sont ses produits et c'est comment les utiliser. Et on va les mettre au centre. On va diffuser. Toujours avec la même palette et le même noir, donc le Fornax. Elle va mettre un petit peu d'eau dedans pour en faire un liner. On touille, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Donc elle fait pas de liner étiré, c'est juste histoire de suivre le ras de cils. Vous puissiez voir quand même. On va recourber les cils et utiliser le Infinity Power Lash Lengthening. Donc pour ça, d'abord, on va recourber les cils. J'adore ce mascara. Par contre, je suis en train de m'énerver sur mon coin d'œil qui ne veut pas rester noir. Du coup, je vais utiliser... Alors ce sont ceux de chez Rouge In Rouge, les Lady Killer, qui sont complètement abîmés. C'est pour ça que je vais me permettre de couper une frange, parce qu'elle ne met qu'une demi-frange. Donc, c'est bon. Du coup, je vais utiliser ma Tartest. Ok, il y a un petit faux raccord, j'ai eu un problème de batterie, j'en ai profité pour enlever tout ce qui coulait en dessous et je vais le refaire au propre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Au niveau des yeux, c'est fini. Donc comme j'ai dit, j'ai fait à peu près par rapport à mes yeux pour pas que ce soit trop. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis moins de noir. du coup, pour les joues, j'avais utilisé la teinte Andromeda. Donc c'est celle-ci. C'est une pêche rosée pailletée. Ben, on met pas mal. On va dire que ce maquillage n'est pas du tout dans la discrétion. Alors, elle en met pas au coin des yeux, vu que ses yeux sont noirs. Je vais pas mettre le noir tout de suite. On se demande pourquoi. Et du coup, je vais passer aux lèvres. Donc pour ça, hop, hop. Elle utilise le même crayon donc, que celui qu'on a utilisé pour les yeux pour faire le contour des lèvres qu'elle va faire assez pointu. Et ensuite, elle utilise le One Latex, Latex Fever Liquid Lipstick. Le vent, les travaux, ça va, c'est bon, on se sent bien aujourd'hui. Alors, on va prendre le centre. Ensuite, on va remonter. Et elle descend bien en pointe. Le noir est mis et ensuite je vais mettre mon latex. Je coiffe. Oh, oh. Je me coiffe et on est bon. Et voilà. Là, c'est le look final que je vous propose où j'ai essayé de reproduire le maquillage de Linda Hallberg avec énormément de difficultés et que j'ai dû adapter finalement à mes yeux qui ne font que pleurer. Donc je sais déjà que les smokies, c'est fini pour moi. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo où je reproduis le maquillage d'une make-up artiste qui utilise sa marque et où j'utilise sa marque, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, à vous abonner à la page, à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous